Alors, quand on a dit ce que c'était qu'un insecte, hein, un être vivant qui a 6 pattes, 2 antennes, ben, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas tout dit parce qu'au sein des insectes, il y a beaucoup, beaucoup de sous-familles. Hein. On voit ici qu'il y a ce qu'on appelle des odonates, des lépidoptères, la famille des papillons, les coléoptères, la famille des coccinelles, la famille des diptères, les mouches, les hyménoptères, comme par exemple les guêpes ou les abeilles, etc., etc. Donc, en fait, au sein de l'ordre des, enfin, au sein de la grande famille des insectes, il y a ce qu'on appelle différents ordres, donc les insectes sont encore classés en sous-famille.